Et on se casse. Hop, jusqu'à Ascanta, je suppose. Je suppose, je suppose. En tout cas, notre expert en Dragon Quest, Fafniros, n'est pas là ce soir, apparemment. C'est triste. Bonjour, monsieur le roi. Désolé pour rien, nous allons maintenant convoquer le. Incroyable, vous avez pris les voleurs en chasse et récupéré l'arbre d'embryon tout seul. Mais pourquoi avoir couru un tel risque? Ceci étant, je dois admettre que je suis impressionné. Bravo, vous ne cesserez jamais de m'étonner. Pourtant, l'impression vous attirez sans cesse des ennuis. C'est ennuyeux, vraiment ennuyeux. Bon, quoi qu'il en soit, je suis content de vous voir sain et sauf. Et excellente nouvelle, c'est que vous avez récupéré l'arbre d'embryon. Naturellement, elle est à vous désormais, comme promis. Vous en prie, soyez prudent, blablabla. Donc là, est-ce qu'il faut que je reparte voir le mec d'Ombre Lune ou alors que je vais au bateau? Telle est la question. Je pense que je peux aller au bateau directement. Mais ce n'est pas une sûreté. Ça me ferait chier de faire la route pour rien. Mais on va tenter. Je passe la nuit et je TP là-bas. Direction Trodin. Bon, je vais suivre tes conseils. En plus, c'est une route trop relou. C'est trop relou pour aller le revoir. Et après, il faut attendre la nuit. Parce que je crois qu'il est venu avec moi dans le monde, entre guillemets, réel. C'est quoi, c'est la maître que. Parce que ouais, Trodin, faut faire tout le tour pour réatteindre la bibliothèque. C'est vraiment une super longue route. T'as aucune preuve, bon. Tant mieux. Madame la vendeuse, ça vous dit une harpe? Alors ici. Au pire, va au bateau, c'est assez simple d'accès. Ouais, c'est plus simple d'accès en tout cas que le truc à Trodin. Attendez, c'est quoi cette épée? Ah bah l'épée large, c'est celle que Jessica elle a. Mais il y a quelqu'un qui utilise cette épée, donc faut la revendre. Parce que bon, 1000 pièces d'or, je prends quoi. Ensuite, magie, téléportation.
crois que c'est la cabane de la colline. C'est ça. C'est ça. Et le bateau est pas très loin. Faudrait que je me fasse un overlay de stream. Pas avoir juste le jeu. Quoique, pour les VOD c'est quand même bien plus simple. Je sais pas. Je réfléchis. Après ça peut être bien pour les jeux comme ça émulés où c'est pas du full screen, mais pour les lives normaux je... Non, c'est pas top. Ouf. Et 10h moins 10 et je commence à bailler. Une sacrée danse qui nous a fait là. Excusez-moi. En fait, hier, je me suis couché assez tôt parce que j'étais fatigué. Quand je dis assez tôt, c'est minuit et quelques. Hein. Et comme je dors très peu, bah, oula, je me suis levé à 6h. Enfin, je me suis réveillé à 6h et pas moyen de me rendormir. Alors que normalement, mon réveil sonne à 7h, à 8h moins le quart. Donc au final, j'ai dormi. J'ai dormi 6h à la place de possiblement plus de 7. RT si c'est triste. Waouh. Ça c'est pas trop grave parce qu'au final bah il est mort. Voilà. Non. Alors tu dis non, mais j'ai plus le contexte. I'm fucked. T'as sérieusement, faut que je reparte à trop d'un quoi. Ah, le RT c'est triste. J'ai l'impression que le son est assez fort quand même. Oula. Pardon. C'est le changement de fenêtre. Bon, par contre c'est bien là de me faire baisser ma défense, mais au bout d'un moment... Ah là s'ils attaquent je vais prendre trop cher. Ça va. Ah bah c'est eux qui fuient maintenant. LOL, même on retire la défense sur Anglucie tant que tout quoi.
Alors, là c'est le moment chiant. On va devoir faire tout un tour pour rien. Ah, pour rien, si, pour quelque chose. C'est reloulou. Ah mais non, mais appelle pas de l'aide, mec. Yangus! Easy. Yangus, quand il attaque, c'est un peu comme le sort kill, en fait. Tu sais que derrière, le mec va pas se relever, quoi. MDA est un Izzy qui regarde Gérald et qui me sort poids. Et une mine affreuse, on dirait mon petit fils. Pas très sympa ça. Alors faut que j'aille par où? Par là, de l'autre côté, c'est bloqué. Mais ils sont nuls, les ennemis. Je vais devoir tous me les taper quand même. Puis les expressions des paysans, quoi, genre, se sont fait défoncer comme une pucelle lors d'un mariage à plusieurs. Ça a l'air gay comme jeu. The Witcher. Là-bas, c'est bloqué. Faut que je monte à droite. Tout dans la finesse. Je vais dire ça. Attends, c'est par là. Ouais. Alors là, oh là là, plein de gens qui ont une grosse armure, quoi. Lame de métal. C'est métal. De la magie. Ouais. Marche pas de ouf, hein. Putain, genre il sait faire ça. Depuis quand ils savent faire des trucs pareils, quoi. Donc toi tu vas faire un soin partiel à Yangus. Angelo, tu vas te faire un soin partiel à toi-même. Et Jessica, tu te démerdes. Vivement que j'ai un sort de multi-soin. Sérieusement. Si l'autre il fait une attaque pareille. Ouais, non, il pourra pas parce qu'il est mort. Il est 22h, je vais aller réviser en plus. Je commence à buffer. Une bonne soirée et à demain. Eh bien, à demain.
Et Jessica tirait plutôt à deux seins. Et oui. Ouais, adieu Jessica. C'est pas grave, Angelo peut la ressusciter. Oh non, pas un soin complet. Mais non, dégage. Saloperie. Allez, Yangus. Voilà, parfait. Yangus t'attaque, Lund, tu vas faire un soin partiel sur Yangus. Et Angelo, tu vas faire un rappel sur Jessica. Elle revient pas à la vie, mince. Je savais pas qu'il y avait des probas là-dessus. Je me souvenais pas de ça. Allez, 50% de chance. Eh mais sérieusement. Au bout de 3 essais, c'est pas ce que j'appelle 50%. Non, 4 essais. 3 fois où ça, ça a fail. Ok. Là, il faut encore que je descende. Et là, on sera bon. Deux à droite. Ok. Donc, pas là. Là, ça sera bloqué. C'est ici. De mémoire. Je fais que ça de bailler, je suis vraiment désolé. Hein. J'espère que je vous donne pas envie de bailler. Ça serait triste quand même, mais je sais pas pourquoi. Alors que je me sens un peu fatigué, mais pas au point de bailler autant quoi. Et à chaque fois, c'est quand je joue à Dragon Quest. Allez, Yangus. Ah, dommage. Pas de nouvelles compétences, quoi que ce soit. Allez. Et là, on est enfin à la bibliothèque. Et là, il va falloir attendre la nuit. Salut! Alors, attends, c'est quoi ton pseudo? Benj la flemme. Benjamin, je suppose. Bienvenue sur le stream. Hop. Bon, bah, il faut attendre la nuit maintenant. Ouh. En attendant, je sais pas. Je ne sais pas ce que l'on peut faire. Allez, la nuit. Ça va prendre trop longtemps. Et y a pas d'ennemis en plus ici, je crois. J'ai l'impression. Par contre, faut avouer,
dans The Witcher, la barbe et les rides sont bien faites. Ah bah écoute, il y a toujours un petit soin à porter à des trucs inutiles, là c'est les rides et la barbe. En même temps, il fallait montrer que Geralt avait vieilli. T'es au château de Trodin, oui. Et là, j'attends qu'il fasse nuit pour aller dans le monde de la lune, là où je sais pas quoi. Parce que j'ai réussi à récupérer la harpe La harpe de Sombre Lune. Oh, c'est ça le nom. Witcher, bah ouais, mais c'est beaucoup moins drôle que dire The Witcher. Par contre, en fait, là, comme je suis affalé comme une grosse merde. Attendez. Y'a bien moyen que ça soit un peu mieux là. Je sais pas si ça a bien beaucoup changé, mais. Un marathon autour de la table. Non, même pas, non. Je m'occupe. Parce que y a pas de combat, donc. Enfin, ouais, dans cette salle-là, y a pas de combat. Hop. Je me camoufle, je suis un pot de fleurs. Mais bientôt il va faire nuit. On aura le droit à la porte sur le mur là. Ouais, je me range. Hop. Voilà, vue FPS. En vrai, il y a une vue FPS. Putain, le pot de fleurs. Sacrément haut. Alors là, par contre, j'ai un truc de lumière à travers le plafond. Hop. Voilà. Petit problème là. Alors, toujours pas. Toujours pas la nuit, hein. C'est long. C'est très long. En tout cas, si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas. Si je peux y répondre. Enfin, si vous avez des questions, que je peux y répondre. Ça m'occupera. Pas de réaction. Pas de nuit, pas de réaction. C'est bien, c'est bien. C'est passionnant du coup. Allez, putain. Please, quoi. La quête des monstres, j'en suis où? Je suis catégorie D, je crois. Et je peux les invoquer en combat, en tout cas, les monstres. Et je sais pas si on peut voir l'équipe ici. Et... Voilà. J'ai E3. Gros bidon. KP et H-Zilla. Quoi ça? Ah. Putain, please quoi.
pas comment les mecs se sont dit, on va faire en sorte qu'il y a des choses qui se fassent que la nuit. Parce que ça prend hyper longtemps à changer le cycle jour-nuit, quoi. Tiens, je peux me ranger là aussi. Hop. Donc je vais au cache-cache, les gens me verront pas d'ici. Et qu'est-ce qu'il y a à cette porte-là? En attendant, je vais aller faire des combats. Hein. Ah ben d'accord. Putain, je m'étais amusé à faire tout le tour alors que j'avais ouvert la porte ici. Sérieusement. Sérieuse putain de ment. Tant pis, c'est pas grave. En attendant, je vais faire des tours dans la salle du trône. Ça occupera. En fait, Len, tu habites vers où? J'habite à Lille. Pourquoi cette question? Perso, j'y étais, ça s'est mis direct, je suis chanceux. Mais la première fois, ça se met direct. Mais là, en fait, genre, j'ai récupéré la harpe. Et je suis parti au bateau. Parce que ça. J'ai rien eu, donc je me suis dit. Enfin, Istaros dans le chat a dit ben, il faut peut-être aller à Trodin, etc. Donc, j'y suis, mais malheureusement. Malheureusement, ça ne. C'est pas direct, quoi. Pauvre Angelo. Il est ensorcelé. Le pauvre petit. Dommage que ce soit pas plus près de Paris. Ah, je déteste Paris. S'il y a bien une ville dans laquelle je pourrais jamais vivre de ma vie, c'est Paris, quoi. Et depuis quand Yongus est plus rapide que le perso principal, quoi. Ah, par contre, faut soigner Jessica, Yongus et un petit soin primaire. Ça tombe bien, je suis à côté de Versailles. Bah, bonne chance. Hein. Bonne chance. Allez, un petit dernier combat et après je repars dans la bibliothèque. Ah, eux ils sont faciles. En plus, ils sont abasourdis pour bouger. Bah, c'est cool ça. Parfait. Boom. Et là, Jessica. Ah, elle chante avant. Mais bon, c'est pas grave. C'est un sort inutile. Putain, je pensais qu'il faisait sombre et tout, mais en fait, non, il fait encore jour, quoi. Je vais attendre ici dehors. Comme ça, je pourrais voir l'état du jour et de la nuit. Si le soleil est pas très
Le ciel est pas très cool. Dans le sens où il fait sombre. Je sais pas où on en est, mais c'est pas grave, je vais faire des combats dehors en attendant. Hein. C'est un peu du farm, mais. C'est marrant. Petit truc de. On va dire de pique-nique, mais. Ah, par contre, je suis désolé, mais il fait pas aussi sombre à l'intérieur. Il fait pas aussi sombre. Et on va le défoncer. Boum. Bim. Il évalue la situation, bah il doit se dire que c'est sacrément la merde. Bon, en tout cas, ça lui a permis d'esquiver. Easy.